Jean. Oui. Sortez un 9 mm au cas où. Très bien. Il est possible que ce soir soit notre dernière soirée. Ouais, ouais, faut s'en aller. Moi, je veux décoller. Va plus loin que le bout de mon. Vous sentez ma main sur votre cuisse, Katou? Oui, je la sens, oui. Et vous sentez l'autre main sous l'autre cuisse? Le volant, nana, le volant. Ah, le volant. C'est bon, Katou, c'est bon. Évitez de me toucher les cuisses. Mais pourquoi? Parce que vous arrêtez de toucher le volant. Mais oui, c'est pas con ça. Je connais un gars, il le a lâché un bordel, il a dû partir aller chercher un bout de bois dehors. Non, c'est une dinguerie. Et pour la couper en deux, parce que sinon c'était. Mais pourquoi un bout de bois? Mais tu vas pas la couper avec un couteau à saucisson, cousine. Après, tu jettes le bout de bois, tu vois. Je vais garder les 18 000 et on va les répartir pour récompenser tout le monde. Ok, j'ai bonne idée. Non, merde. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Désolé, j'avais besoin de me réveiller. Je vous avoue que je commençais à m'endormir, j'ai préféré sauter. Mais pour sortir ça, ça doit être une dingue. Je suis passé sur un chantier. Je te jure, c'était une baguette. Une demi-baguette. Non, mais je te jure, pas ça tombe, que ça te frotte les couilles. Vous savez ce qui m'est passé par la tête quand j'ai eu cet accident? Non, du tout. Bah, le volant. Non, mais quand tu lâches ta crotte, qu'elle est déjà au fond, tu sens que ça bloque et qu'elle est encore dans ton cul, c'est qu'il faut se poser des questions. C'est à quelle heure? Mais Katou. Oh non, je viens de perdre ma femme. Mais alors, Katou? Le fantôme. N'aie pas peur, Scooby, je vais l'arrêter. Et pour faire apparaître le bateau fantôme pirate, il utilisait une allumette, un coton-tige ainsi qu'une lampe. Venez me chercher, si vous plaît. Katou! Mais Katou! Mais comment a-t-il simulé la mort de 40 personnes en même temps? Eh bien, c'est simple, regardez, à l'aide de cette paire de ciseaux, cette feuille de papier et ce morceau de jambon, il a réussi à faire apparaître. Une illusion d'optique, tout simplement! On et y a vu sans votre intervention, je serais parvenu à mes fins. Vous avez mis beaucoup de sauce blanche ou pas dans la quéquette? Mais évidemment, on en a. Oh, c'est mes préférés. Mais voilà, Rafi. Maintenant, vous pouvez croquer, Rafi. Est-ce que vous sentez la sauce qui surcolle au palais, Rafi? Attendez. C'est très bon. Je vais vous montrer. Non. J'ai cru comprendre qu'en Amérique, ça s'embrassait le troisième jour, c'est ridicule. La première fois que j'ai rencontré Katou, elle a fait la toupie dès le premier soir. On l'appelait Beyblade. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de ces détails. Vous savez, à 55 ans, Rafi, on a malheureusement des problèmes de transit. C'est une gastro, ça. Ça, je reconnais, ça. Faites comme si vous n'avez rien entendu, s'il vous plaît, à son retour. Rafi. Vous trouvez toujours ma femme élégante? J'ai envie de vomir. Je suis désolé, mais est-ce qu'on peut en parler de cette pédale? Attends, pardon? Pardon? Tu parles de qui? Pardon, ouais. Oh là là, attends, moi je suis venu pour qu'on discute de voiture, dis-nous Thomas. Moi je reviens, j'entends des insultes, je suis choqué. Bah non, mais là, arrêtez. Là j'y ai Thomas. Mais il a des problèmes gastriques là, c'est pas possible. Bah oui, c'est ce que je me tue à vous dire. Non, je vous cache pas que ça glisse quand je vais derrière. Oh. Non, il faut bien voir des côtés positifs partout. Bonsoir madame, comment allez-vous? Elle me fait des doigts. Mais c'est normal, j'ai envie de prendre un raccourci que tout. Non, je vous en supplie, conduisez normalement. Ben oui, mais c'est ce que tu m'avais dit il y a une heure aussi. Oui, mais il y a une heure, j'étais en retour. Aïe, merde alors. Excusez-moi, je voulais tourner à droite juste c'était du véhicule. Pour être honnête avec vous, j'ai une main sur votre cuisse. Non, enlevez-la. Vous l'avez senti ou pas? Oui, je l'ai senti, mais du coup, enlevez-la, remettez-la sur le volant. Non, vous inquiétez pas, ça c'est stylé, Katou. Ça c'était stylé. On est toujours avec une main sur votre cuisse. Non. Si. Non. Si. Ils prédisent la fin du monde en 2012 et tout, mais on l'attend toujours, les frères. No joke, en vrai, en 2012. Et en plus, les Mayas ont jamais prédit la fin du monde. C'était juste la fin de leur calendrier. Non, père. D'ailleurs, vous devriez faire des tests sanguins avec les facteurs. Je vais faire un test sanguin. Avec ta mère la pute. Ouais. Quoi? Vous m'avez entendu? Mais non, c'est impossible. J'ai parlé Sacha, tout doucement. Sacha, remets-la, j'ai entendu moi aussi. Remets-la, Sacha. Je parlais tout doucement. C'est juste que moi, je te le dis. Eh frérot, ils ont eu le flair, ils ont fait « Eh les gars, on est encore en train de se balader à poil avec une feuille de vignoble. On va pas tenir longtemps. Bon, bah les gars. Thomas, je te déteste. Thomas, il s'est muté, mais il met sa musique. Il croyait qu'on allait pas l'entendre. Par contre, c'est très bizarre ce qu'il écoute. Père, attention. Elle pourrait mal le prendre.
Oh, arrêtez. Qui peut prendre ce... Qui a rigolé? Vous êtes moqué de moi? Sortez de ce véhicule, sortez de ce véhicule. Garez-vous sur le côté. Oh, demandez à Pierre s'ils ont fait le braquage ou si c'est en cours. Ok. Non, mais... Vous avez rebondi comme une grosse merde. Comme un tas de merde. Sortez du véhicule, Sacha. Mais pourquoi, père? On va discuter entre hommes. Regardez-moi bien dans les yeux et osez me répéter ce que vous m'avez dit. Très bien. Vous allez où, père? Ramenez-moi à la villa. C'est le premier Mexicain que je croise qui s'appelle Miguel. Ils s'appellent tous Miguel, c'est ridicule. C'est quoi? C'est du racisme? Comment? C'est du racisme? Bah oui. Ah d'accord. C'est pas très grand, mais si vous voulez faire un truc de casino... Bah dis donc, vous vous faites plaisir. Oh mais c'est Katou. Mais il a remarqué. Vous savez, Katou, elle tient bien comme ça, hein. C'est vrai. Bah oui, Jean. Oui. Sortez un 9mm au cas où. Très bien. Il est possible que ce soir soit notre dernière soirée. Très bien. Il est possible aussi que ce soir soit notre avant-dernière soirée. Reçu bien sur 5 sur 5. Ne prenez pas de drogue. Vous voyez. Évitez l'alcool. Et stop au tabac, c'est très important. Il y a des numéros pour vous. Vous voyez. On dirait Monsieur Mackie quand tu dis ça me fait rire. Il est possible que ce soir... Oui. ...soit l'un des derniers jours de la semaine. Oh mon Dieu, je vais me préparer alors. Il est possible que ce soir... Oui. ...soit possiblement le début de la fin. Oh mon Dieu, alors il faut être prêt, j'y vais. La drogue, c'est mal, voyez. C'est pas bien de fumer du shit, voyez. L'alcool, c'est mal, voyez. Quand vous prenez de l'alcool, vous êtes dans un état second, voyez. Il est possible que ce soir... Oui. ...soit la page d'un nouveau livre. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Claude? Où êtes-vous? Plus dans le salon. Ben... Oh, allez le chercher, allez le chercher. J'arrive tout de suite. Oh, il est possible que ce soir... Oui. ...soit la couverture d'un autre livre que nous n'ayons jamais lu. Doucement, la vitesse, s'il vous plaît, les jeunes. Ok, sorry. Allez vous faire foutre. Bon courage. Pardon. J'ai entendu quoi, là? Vas-y, Katou. Revenez là, vous, là, revenez là. Hop. Parce qu'il est possible que ce soit... Oui. ...soit le début d'une longue soirée. Oui. Et puis d'endurance. Allez donc le chercher. Attends, la musique, par contre... Quelle est la différence entre une automatique et une manuelle? Bah, manuelle, tu dois passer les vitesses. Donc, quelle est la différence? Bah, t'as le pommeau là. Quoi? T'as dit quoi? T'as dit quoi? Je suis un pommeau. Oh, c'est quoi ce film, Yuna? Rigolez plus jamais comme ça. T'as dit que j'étais un pommeau. On a sauté du véhicule, Yuna. En même temps, on en a pris plein la gueule. Oh merde. Non, c'est pas grave, c'est pas la mienne. C'est pas la mienne, non. Mais. Bon. Non. Elle est à vous, monsieur, au bonnet rouge? Non, c'est pas la mienne. Bon, bah, personne n'a rien vu. Passez une bonne soirée. Il y avait un dessin animé où un dinosaure il s'appelait Petit Pied. Mais quel est le rapport, Yuna? Mais Yuna. Yuna, quel est le rapport? Vraiment, il faut quitter le LSPD, vous êtes conne, hein. Et ouais, y'a un petit déficit intellectuel, quoi. Mais si monsieur Montgomery vous dit ça, c'est que c'est à prendre au sérieux. Quoi? Cœur de l'action. Mais il y a l'assiette au sol. Oh non! Quoi? J'ai marché sur du pain. Oh non. Attendez, c'est peut-être encore bon. Mais vous avez marché dessus. Mais alors, j'ai les chaussures propres, hein. Alors. Envie de chialer, suce-moi le dard. Appelle tes copains et ta mère. J'ai le gland chargé, prêt à tirer toute la soirée. Vas-y, viens, bouffe-moi le dard. Appelle ta mère et ton daron. 4 points dans le cul. Dans le fion. Oh oui, j'aurais dû dire dans le fion, ouais, ça aurait rythmé. Ça, c'est pendant nos grosses soirées avec Katou. Je peux pas en savoir plus, patron, mais ça ira pour les cagoules. Oh, si, je vous assure. Oh, c'est rien, c'est un mormon, il savait pas conduire. C'était la police. Oui, c'était la police. Non, vous déconnez. Bah non, la police. C'est la police. Vous allez... Pardon, vous vous moquez de mon accent, capitaine. Pardon, mais... Waouh. Mais attends, mais même le capitaine, il est là. Ouais, faut s'en aller. Moi, je veux décoller. Va plus loin que le bout de mon nez. Moi, je suis spontané. Mais t'inquiète, je suis grave calé. Je compte les années. Plus beaucoup, je vais m'en aller. M'en aller. Ouais, je vous le dis, je vais m'en aller. On s'évader, y'a pas de secret. On faut s'en aller. Tout s'est bazardé, bazardé. Ouais, faut s'évader. On faut s'en aller.